1 Timothée 6, 12. Est-ce que quelqu'un veut bien nous faire la lecture de ce passage? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat facile. Et surtout en tant que jeune, vous qui êtes jeune, qui êtes exposé à toutes sortes de tensions, d'oppressions, de tentations. Et il faut combattre, combattre, combattre et encore combattre jusqu'au bout. Tu as quel âge? Dis-nous un peu, quel âge tu as? 12 ans. Bibliquement parlant, il reste combien d'années de vivre, de vie, selon la Bible? Elle a 12 ans. Et la durée d'une vie, selon Psaume 90, est de combien? 70 ans. Et pour les plus forts, 80. Bon, il y en a qui vont au-delà. En tout cas, je te souhaite d'aller au-delà de 100 ans. Pas de problème. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, elle a 12 ans. Donc, selon la Bible, il y aurait 58 ans. C'est ça, non? Vous vous rendez compte que pendant 58 ans, voire plus, ce que je le souhaite, elle va devoir mener ce combat pour garder la foi jusqu'au bout. Qui a du mal à garder la foi? Levez les mains un peu. Dites-nous, pourquoi as-tu du mal à garder la foi? Qu'est-ce qui te, en tant que jeune, c'est quoi les combats auxquels vous êtes exposé? On est entre nous, il n'y a pas de souci. C'est l'influence du monde. L'influence du monde. Ça va ressembler aux autres. Prendre d'accord. Standard. Très bien. Donc tu cherches à ressembler aux autres. Se conformer. Oui, se conformer, effectivement. Donc, on cherche des modèles. C'est ça, non? Exactement. Et modèle, ça ne prend pas de... voilà. Donc, de modèles. Se conformer. Au monde. Et il y a plusieurs modèles dans le monde, hein, c'est ça, hein? Et ça ne prend pas de E à la fin. Hein. Si, si, c'est ça. Et donc, quels sont les modèles que vous avez dans le monde? Il y a qui? Les stars, comme qui par exemple? Messi. C'est bizarre, il vient d'arriver à Paris. Au club de foot. Pas le vrai Messie, hein, parce qu'ils vont dire, ça y est, on était là-bas, il a annoncé le retour du Messie. Alors, on savait que c'était une secte. Hein. Maintenant, on a la confirmation. Amen. Donc, c'est un footballeur argentin, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est Machia. Bon, en français, Messie, pas de problème. En tout cas, ce n'est pas le même. Donc, Messie, et qui d'autre? Nous, à l'époque, notre génération, c'était moi, c'était plutôt Tupac. Hein? Qui? Ariana Grande, tu l'écoutes? Non? Ok. Qui d'autre? Il y en a plein. Hein. Donc ça met la pression, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Wow. Si vous voulez vous habiller comme eux, parler comme eux, tout ça et c'est... voilà. Quoi d'autre? Oui. Sur YouTube, les influenceurs sur YouTube, il y en a de plus en plus. Hein. Et bizarrement, ils de plus en plus meurent
tôt, jeune. Hein? Voilà. Waouh. Qui pense que si le Seigneur vient là, là, il va en enfer? Sincèrement. 1, 2, 3, 4. Soyez sincères. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Waouh, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont honte, mais il ne faut pas avoir honte. Et vous vous rendez compte? C'est terrible. Et Paul écrit à Timothée qui était jeune aussi, hein, comme vous. Hein. Il devait avoir 16 ans. Et il lui dira de suivre justement les désirs de la jeunesse. Et je sais que ce n'est pas facile parce que plus le Seigneur vient, plus il revient nous chercher, plus il y a des tensions, des tentations, des épreuves, tout ça. Et il faut tenir, tenir jusqu'au bout. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas impossible. Non plus. Et il lui dit, combat, le bon combat de la foi. Et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Oui, le Seigneur a appelé toute l'humanité à la vie éternelle. Mais malheureusement, parmi les humains, beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup de ceux qui se retrouvent en enfer étaient dans des assemblées comme aujourd'hui. Il y en a qui même prêchaient la parole. Une sœur était en enfer tout récemment. Elle est revenue, elle a témoigné de ce qu'elle a vu. Elle a vu des pasteurs en enfer. Elle a vu des chrétiens en enfer. C'est horrible. Mais parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas combattu le bon combat de la foi. Vous savez, la vie sur terre est un combat. De la naissance à la mort. Là, là, nous tous, là, nous sommes embarqués dans un vaisseau spatial qui va vers la mort. Tous. Tous les ans, quand vous fêtez vos anniversaires, vous devez vous dire que vous vous rapprochez de la tombe. C'est ça la vie. Maintenant, si l'on meurt là, si tu meurs là, tu vas en enfer. C'est terrible. C'est terrible. C'est grave. Le combat. Parce que, effectivement, il y a plusieurs personnes dans le monde que Satan a suscité, et ces personnes, Satan les présente aux humains comme des modèles qu'il faut imiter. Des gens qui nous influencent sur notre manière de nous habiller, de parler, de nous comporter, tout ça, de vivre. Et beaucoup, malheureusement, se réfèrent à ces gens-là. Vous vous rendez compte? Certains sont influencés par des philosophes, d'autres par des grands scientifiques, des astronautes, d'autres par des médecins, d'autres des influenceurs de YouTube, effectivement, des musiciens, footballeurs, tout ça, basketteurs. Et au milieu de tous ces influenceurs, nous avons, et au-dessus plutôt, je dirais, Yehoshua. Yehoshua, c'est celui qui doit logiquement nous influencer. Alors le combat, le bon combat, celui de la foi, et c'est le combat qui, n'est-ce pas, que le Seigneur veut que nous menions, bien sûr. Et on ne peut pas mener ce combat-là si on n'écoute pas, si on n'entend pas, si on n'est pas en relation avec celui qui est censé nous influencer tous les jours. Donc, le Seigneur. Parce que celui qui suscite la foi. Regardez Hébreux chapitre 12. Quelqu'un va nous le prendre. Hébreux chapitre 12. Je demanderai à une jeune sœur de nous faire cette lecture. Hébreux 12, 1. Ben, comme tu as le micro, tu peux aussi en même temps. Ça tombe bien. Amen. 12, le premier verset. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. Et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Verset 2. Fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix, ayant mépris la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Vous voyez ? Alors, comment faire pour mener ce combat ? Parce qu'il y en a, ils se convertissent, ils prennent leur baptême, mais ils ne tiennent pas. Vous voyez ? Ils abandonnent la foi. D'autres,
il tombe, il se relève, il tombe de nouveau, il se relève de nouveau, il retombe et ainsi de suite. Donc ils ne sont pas stables dans leur vie chrétienne, dans leur marche chrétienne. Ils connaissent la vérité, mais pourtant, ils vont volontairement pécher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas pécher volontairement? Et ici, on nous dit qu'il faut fixer les yeux sur le Seigneur. Voilà, pourquoi? La vie, c'est quoi? C'est un ensemble de défis qu'il faut relever. C'est ça la vie. Voilà, tous les jours, vous êtes beaucoup sont à l'école ici, c'est des défis qu'il faut relever, des défis. Voilà, bon, je veux faire telles études, donc c'est un défi. Et pour réussir à finir ces études, à faire ces études, il faut se focaliser sur ce projet. Vous voyez? Avoir une vision. Parce que la vision encourage, motive. Si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, tu ne pourras pas être motivé. Tu vas être découragé. Voilà. Mais si tu as une vision, tu vas tenir. Et la vision, c'est quoi? C'est quelque chose qui est devant toi, que tu n'as pas encore réalisé, qui est devant, et que quelque chose sur laquelle tu es focalisé. Vous voyez? Et là, tu ne perds pas de vue la vision. Et notre vision, c'est logiquement, on en a plusieurs sur Terre, mais la vraie, la plus grande vision doit être le Seigneur. Le Seigneur. Plus vous allez vous focaliser sur lui, en lisant la parole, en priant, en côtoyant des bonnes personnes, plus vous allez garder la foi. Mais si vous commencez à vous détourner du Seigneur pour vous focaliser sur le monde, sur les choses qui vous entourent, bien évidemment, vous allez commencer à aimer le monde plus que le Seigneur. C'est sûr. C'est pour cela qu'ici, on nous demande, n'est-ce pas, de nous focaliser sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi. Or, le bon combat, c'est le combat de la foi. Si tu n'es pas focalisé sur le Seigneur, sur sa parole, si tu lis moins la parole, si tu es plus dans le monde que dans le Seigneur, tu ne pourras pas tenir, ta foi ne pourra pas être alimentée. Or, tous les jours, nous devons, n'est-ce pas, faire des efforts pour joindre à notre foi, comme la parole le dit, la connaissance. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la connaissance. C'est-à-dire en lisant la parole, en priant. Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes comme vous qui sont en enfer? Il y en a beaucoup. Énormément qui tombent en enfer, parce que l'enfer, c'est en dessous, sous nos pieds. Voilà. Et vous vous rendez compte que présentement, il y a des jeunes comme vous qui pleurent, qui veulent revenir sur terre pour demander pardon au Seigneur, pour se racheter, mais on leur dit, mais on ne peut plus, vous ne pouvez plus faire marche arrière, c'est fini. C'est fini. Donc, des jeunes comme vous, comme beaucoup, hein, comme des personnes âgées aussi, se détournent du Seigneur parce qu'ils ne sont pas focalisés sur lui. Ils vont se focaliser sur qui? Les modèles qui ne le sont pas. Hein, les faux. Regardez comment Michael Jackson est décédé et mort. Voilà. Il s'est suicidé. Pourtant, c'était le modèle de beaucoup d'humains. Beaucoup, quand ils le voyaient, ils pleuraient, ils tombaient même en transe. C'était le modèle, mais il est parti. Il a fait des promesses certainement à certains de ses fans qu'il n'a pas pu réaliser. Donc, le monde vous guette, surtout en ce temps de la fin. Qui est parmi vous a réalisé, a compris que nous sommes à la fin, que le monde est arrivé à la fin? Alors, qu'est-ce qui prouve que nous sommes à la fin? Dites-moi un peu là. Qu'est-ce qui le prouve? Oui, tu peux prendre le micro. Déjà, c'est le fait qu'il y a le coronavirus et que si on n'a pas le vaccin, on ne peut pas sortir. Mm-hmm. On est enfermé chez soi. Mm-hmm. Et je pense que ce n'est pas agréable pour certains de rester chez soi, pas forcément faire des choses qu'on aura envie de faire. Mm-hmm. Même si on veut s'accrocher au Seigneur avant. Mmh, c'est ça. Donc ce virus, cette pandémie, effectivement. Vous avez vu, il parle actuellement de la quatrième vague, hein, voyez, et avec plusieurs variants et tout. Vous savez qu'en 2016, le Seigneur m'a donné une prophétie concernant cette pandémie. Qui sont ceux qui ont regardé la vidéo là? Le Seigneur m'a dit qu'il allait avoir une pandémie, tout ça, un virus et tout, et qu'on allait obliger les gens à avoir le vaccin. Eh bien, on y est, parce que c'est la fin. C'est la fin. Et ceux qui ne sont pas préparés pour l'enlèvement de l'Église, ils vont rester. Voilà.
combat, le bon combat de la foi. Paul disait à Timothée, il faut combattre ce combat-là, il faut tenir, c'est-à-dire, tu es chrétien, tu as reçu la foi, parce que la foi nous a été donnée selon la parole. Mais donc, le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut t'arracher la foi qui t'a été donnée par le Seigneur. Le trésor le plus important que nous avons, c'est la foi, c'est le Seigneur, la foi en lui. Et c'est ce que Satan veut voler, justement. Voilà pourquoi il te met la pression au niveau des pensées, nous tous, hein. Il t'envoie des amis qui sont, comment dire, qui ne sont pas forcément ses enfants, qui font partie carrément du royaume de Satan, pour t'influencer, pour te sortir du chemin de la vérité. Voilà. Il y en a, c'est la cigarette, d'autres, c'est la nourriture qui les éloigne du Seigneur, d'autres, c'est le mensonge, d'autres, c'est le péché sexuel, les films porno, les images pornographiques, tout ça, plein de choses, des pensées impures et tout. Donc, il faut justement se repentir, renoncer à ces choses-là pour revenir au Seigneur. Et ceux qui ne sont pas convertis, ben, c'est le temps de se convertir véritablement. Voilà. Vous ne voyez pas que le monde est à l'arrêt. Là, ça va être pire, hein. Là, c'est encore rien, c'est que le commencement des douleurs, comme la parole le dit. Ce n'est que les commencements des douleurs. Voilà. Il ne faut pas dire qu'on est jeune, tout ça, dans le temps. J'ai 12 ans, il me reste 58 ans. Ben, c'est faux, parce qu'il y a aussi des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, même de plus jeunes, hein, qui meurent. Voilà. La vie éternelle. Vous vous rendez compte que c'est une vie qui ne s'arrête pas, que le Seigneur nous a promise. Vous voyez ? Nous a promis cette vie-là. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire dans la nouvelle Jérusalem, nous allons passer notre temps à louer le Seigneur, à danser, à le bénir et tout. Ça, vous vous rendez compte que l'éternité même n'est pas suffisante pour visiter tout ce que le Seigneur a créé. Parce qu'on va visiter l'univers, il y en a plusieurs, et ça va être magnifique. Imaginez, pendant l'éternité, ouais. Vous allez voir une planète comme ça où il n'y a que des cocotiers, une autre planète où il n'y a que des avocats. Une autre planète. Donc ça va être, mes amis, pendant l'éternité, ça va être fou. Là. Vous vous rendez compte? Il y a des chutes d'eau là-bas au ciel qu'on n'a pas ici. Et tout ça, le Père a créé tout ça pour toi, pour nous. Alors honnêtement, suivre tes modèles dans le monde, ça ne sert à rien. De toute façon, ils ne te connaissent même pas. Comment veux-tu te prendre la tête pour quelqu'un qui s'en fout complètement de ta vie là, hein? Essaye de le contacter au téléphone, tu verras son numéro, tu peux le trouver sur Instagram. Hein? Vrai ou faux? Voilà. Honnêtement, le véritable modèle, lui, il nous connaît, il nous voit, il nous appelle, il nous interpelle. Et parfois, les jeunes que vous êtes, quand les parents parlent du Seigneur, « Oh, mais maman, vous savez, oh, mais maman, c'est pas facile, le Seigneur, tout ça, moi, je prie, il ne me répond pas, tout ça. » Qui a l'impression que le Seigneur ne répond pas ? Ne répond pas. Voilà, d'accord ? Qui a l'impression que le Seigneur ne l'aime pas ? D'accord ? Ok ? D'accord ? Et heureusement que ce ne sont que des impressions. C'est différent de la vérité. Amen. Parce que le Seigneur vous aime. La preuve, vous êtes encore en vie. Parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. Qui se rend de plus en plus compte que sa vie est vraiment compliquée sur terre? Tout le monde, hein? Voilà. Qui aurait voulu changer de vie? Qui veut aller tout de suite au ciel? Tout le monde, forcément. Mais il ne faut pas demander la mort, hein, parce que ta mission n'est pas encore finie. Il ne faut pas te suicider, hein? Amen. Parce qu'il y en a qui disent, Seigneur, je prends-moi tout de suite et tout ça, mais attends, t'as fait quoi déjà pour lui? On travaille maintenant pour les couronnes, non? Parce qu'on a des couronnes au ciel, là-bas, on aura des couronnes, donc il faut bosser. Voilà. Qui veut entendre sa voix clairement? Moi, le créateur de ton âme, je t'aime, je te connais. C'est ça, hein? Vous savez, j'ai visité grâce au Seigneur plusieurs fois le ciel, et parce que je demandais au Seigneur de. Et il a fait. Il faut demander. Qui veut qu'on prie pour lui pour qu'il aille visiter le ciel de temps à autre? C'est pas de tout le monde. Hein. Tac, tu reviens un peu. Ah, bah tiens, j'étais au ciel hier, tout ça. C'est bien passé, j'ai rencontré Michael et tout. On a bien discuté, tout ça. Bon. Et heureusement que le Seigneur ne donne pas toutes ces visions parce qu'il sait comment on est. Hein. On est facilement gonflable, hein. On peut facilement prendre la grosse tête. Hein. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vous aime, il nous aime. Voilà.
Voilà. Et il est en train de venir nous prendre, frères et sœurs. Même les gens du monde sont découragés. Beaucoup sont fatigués. Les gens du monde savent que le monde est arrivé à la fin. Regardez les incendies partout, les tsunamis, les tremblements de terre, les guerres et tout au Yémen, en Afrique, en Amérique latine et tout. Vous voyez bien que ça ne va plus, là, ça ne va plus. Le climat qui change, effectivement. Donc tout est là, sous vos yeux. Tout est là. Alors nous ne connaissons pas le jour de son retour, ça c'est clair, la parole le dit, mais nous savons qu'il est en train de venir nous chercher. Et je vous assure, frères et sœurs, jeunes gens, pour avoir été plusieurs fois au ciel, je vous assure, le ciel existe. Ah oui. Vous savez que nous avons des chevaux là-bas, chacun de nous a un cheval là-bas. Tout blanc, je vous assure. Ben oui, qui ne le savait pas? Ouais, on va faire du cheval hein, bientôt là, on va... Voilà. Vous vous rendez compte qu'on sera comme des anges là-haut? Et les jeunes qui combattent le bon combat auront des couronnes. Voilà. Qui veut être plus proche du Seigneur au ciel? Tout le monde, hein? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être proche de lui? Sacrifice. Quel type de sacrifice? Effectivement. Donc si un homme vient te faire la cour, qu'est-ce que tu dis? Alléluia, gloire au Seigneur. Donc plus de petits amis, hein? Plus de petits amis. Ça fait un moment déjà, parce que c'est bien. Donc c'était juste pour dire aux frères et sœurs, la sœur n'a pas de petite amie, parce que tout à l'heure, quand elle a dit que quand elle prenait une petite amie, ça ne durait pas une semaine. Nous, là, que se passe ici? Non, c'est fini, ça. C'était avant, ça. Amen. Voilà, parce qu'il y en a qui risquent de se dire, oh ben le frère, l'apôtre n'a rien dit, le pasteur n'a rien dit, tout ça. Là. Je crois que je ne suis pas pasteur. Hein. Donc ça veut dire qu'il a validé la chose. Non, pas de petite. Nous, ils sont complets chez nous, là. Voilà, ils ne sont pas petits. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Qui aurait voulu naître dans une autre famille? Je suis convaincu que si on devait refaire les choses, là, si on devait choisir depuis le ciel avant de descendre ici, beaucoup choisiraient plein de choses. Seigneur, moi, je veux que tu me donnes une taille moyenne. Moi, je veux que tu fasses en sorte que je mesure 2 mètres pour jouer à la NBA. Moi, je veux faire ci. Moi, en fait, beaucoup de gens ne sont pas contents de leurs conditions sur terre. Mais le Seigneur a permis cela pour sa gloire. Alors, il faut combattre le bon combat jusqu'au... Bou, qui tombe et qui se relève en même temps, qui retombe, qui... voilà, levez les mains un peu. C'est bien, c'est bien d'être sincère. Alors, vous tombez souvent à quoi? Tu tombes souvent à quoi? Ouais. Mmh. La colère. La colère, ok. La colère, ouais. La colère. Ouais. Ok. Et qui d'autre veut parler de la colère? Donc, on va prier pour ta colère, pour que le Seigneur te libère de la colère. Alléluia. Ouais. Amen. Qui d'autre? Oui, ma sœur, toi, c'est quoi? La distraction. Quel type de distraction? Les réseaux sociaux. Tu peux rester dessus combien de temps? Toute une journée. Waouh! C'est terrible, ça. Viens un peu. Viens, que le Seigneur soit béni. Voilà. Ouais, avec ça, on ne peut pas combattre le bon combat de la foi. Hein. C'est impossible. Se nourrir de toute sa saleté à chaque fois, là, c'est pas possible. Hein. Ça va? C'est la première fois que tu viens ici? C'est pas la première fois. Tu es baptisé? Waouh! Et tu veux être libéré de ça? Surtout, hein? Ok. Les influenceurs, tout ça, là. Sur YouTube aussi, tout ça. Donc ça fait. Ouf. Wow. Tu es baptisé? Donc tu vas aller au ciel. Parce que la désobéissance, c'est trop. Tu désobéis au Seigneur? Je ne l'écoute pas, en fait. Il me cherche, mais je le fuis à chaque fois. À quel âge? J'ai 21 ans. Tu as un petit copain? J'avais, mais j'ai arrêté. Combien de temps? Il n'y a pas longtemps, je suis dans le monde. Et tu veux te libérer? Oui, et je ne prie même plus. J'arrive pas à bien dormir. C'est normal, parce que tu es possédé. Le Seigneur peut la libérer, non? Parce qu'elle veut combattre le bon combat de la foi. Hein? Au nom de Yeshua, démon, sors de ce corps, au nom de Yeshua. Sors, démon, au nom de Yeshua. Sors d'elle. Voilà, c'est un esprit de mort qui s'en va. On acclame le Seigneur pour elle. Alléluia, gloire au Seigneur. Sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Voilà, allez, remonte, sors de là, démon. Il y a un gros serpent là. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu remontes, tu sors. Voilà. Laurent, on va l'aider un peu là. Oui, Kélia, là, on va chasser davantage ce démon là. On a dit Yeshua, alléluia. Diane, tu peux venir nous aider un peu hein? Il y a un long serpent là, au niveau de son ventre là, qui la tient là, tout ça là. On a dit Yeshua, serpent. Serpent, là, tu remontes, elle te vomit, elle ne veut plus de toi, tu entends, on a dit Yeshua, tu t'en vas. Voilà.
Voyez, le combat de la foi. Alors, pour nous décourager, pour nous tirer vers le bas, c'est-à-dire en enfer, eh bien, Satan, d'abord, il vient nous attaquer, il envoie ses démons qui nous envoient des pensées impures. Il nous attaque au niveau de la chair. Notre propre chair aussi nous empêche d'aller vers le Seigneur. Il envoie aussi ses serviteurs, des faux amis qui viennent nous polluer. Voilà. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut mener ce combat-là jusqu'au bout. Voilà, on a Yeshua. Fini. Comme tu as confessé, là, ben, le Seigneur te rend libre. Complètement libre. Complètement libre. Magnifique, Seigneur. C'est fini sur les réseaux sociaux. Là, tu vas maintenant gérer correctement les choses. Et voilà, fini. Maintenant, tu vas combattre correctement jusqu'au bout. Le tatouage, piercing, tout ça. Waouh. Waouh. Seigneur, merci pour ton onction sur elle. Merci pour la confession. Merci pour la délivrance. Ouh, Seigneur, merci. Waouh. Waouh, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, une nouvelle âme que le Seigneur vient de sauver, le nom de Yeshua. C'est fini, ça. Alléluia. Oh, Seigneur. Waouh. Là, l'ennemi n'est pas content hein, parce que c'est une âme que le Seigneur vient d'arracher de son royaume. Voilà. C'est fini. Toutes ces images sales, tout ça là. Fini. Voilà. Combat, le bon combat de la foi. Et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Timothée était jeune et il a tenu jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est possible d'être jeune et de servir le Seigneur et d'être fidèle jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comme Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, il dit à Timothée, Paul était à la fin de sa vie, était à la fin de son ministère, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, parce que c'est une course, et j'ai gardé la foi. Et maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh, quelle parole! Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avant le temps du Seigneur parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur. Il faut faire très attention. Donc, regardez. À la base, nous sommes des esprits. D'accord? Comme le Seigneur le disait à Jérémie, il disait, avant ta naissance, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc ça veut dire que tel que tu es là, tu dois savoir que tu es d'abord un esprit, avant d'être un corps physique. D'abord un esprit. Qu'est-ce qui prouve que tu es un esprit? Eh bien, quand tu dors, par exemple, tu fais des rêves. Ou quand tu... Voilà, parfois tu peux sentir des choses. Et des choses qui arrivent. Il y en a qui appellent ces rêves dans le monde, hein, chez les chrétiens, ils parlent de rêves prémonitoires. Voyez, parce que les humains, ils sont tous des esprits que le Seigneur a créés et il leur a affecté des corps, il leur a attribué des corps. Maintenant, en venant sur terre, cet homme-là, voyez, là, à l'intérieur, c'est son esprit, et là, c'est le corps physique. Et au milieu, là, vous avez l'âme, le siège des émotions, des sentiments. Voilà. Et cet être humain, le Seigneur, maintenant, lui dit, en gros, hein, je t'envoie sur terre, et tu vas vivre pendant 70 ans. Et quand cet être humain vient sur terre, il oublie complètement qu'il est un esprit. Et il pense qu'il est juste un corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, durant toute sa vie, il va oublier sa mission et il va s'attarder sur des choses qui vont rester des choses futiles. Des belles voitures, des belles maisons, femmes, hommes, des choses qui vont rester. L'or, l'argent, tout ça là. Et il oublie qu'il va, n'est-ce pas, mourir un jour, qu'on va l'enterrer sans ses bijoux, sans ses jeux vidéo, sans les réseaux. Il oublie tout ça. Il vit comme s'il était éternel. Il oublie qu'il va mourir un jour. Et quand on lui parle, il dit « Non, mais je suis encore jeune, c'est ma vie, je fais ce que je veux, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. » Tout ça. Et le Seigneur va parfois envoyer des gens pour lui parler, il ne va pas écouter. Le Seigneur va lui donner des songes, des visions pour l'interpeller, mais ça ne lui dit rien. Et il continue à faire sa vie, il manque du respect à ses parents parce qu'il est jeune, parce qu'il est entouré d'autres jeunes, délinquants ou pas. Et puis un jour, au lieu de mourir à 70 ans,
comme c'était prévu. Et bien, à cause du péché, et parce qu'il n'a pas voulu écouter le Seigneur, tac, il fait un accident, comme un jeune de 23 ans à qui le Seigneur avait parlé, demandé de se repentir, et il n'a pas voulu écouter. Il est parti avec son groupe faire un concert en Hollande, et sur le retour, ils ont fait un accident, ils étaient à 5 dans la voiture, il n'y a que lui qui est mort sur le coup, 23 ans. Et aujourd'hui, il est à l'enfer. Ouais. Et là, au lieu de mourir à 70 ans, en ayant accompli parfaitement sa mission, pour avoir et la vie éternelle, et des couronnes au ciel, eh bien, cet être humain, il va mourir à 23 ans. C'est-à-dire, il n'a pas compris que tout autour de lui, il y a des démons qui réclament son âme, dès sa naissance. C'est ce qui se passe avec nous tous. Il oublie que, dès sa naissance, des satanistes, aussi des sorciers qui l'entourent, et dans sa famille, et chez les voisins, demandent au Seigneur son âme. Mais la main du Seigneur était toujours sur lui pour le protéger. Le Seigneur disait toujours à Satan, au démon, non, attendez, je veux envoyer mes serviteurs pour lui parler, je veux envoyer mes anges pour lui parler. Mais cet être humain n'a pas voulu écouter. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, ok, comme il n'a pas voulu écouter, maintenant Satan, les démons, tous les sorciers, je vous le livre. Et le Seigneur retire sa main protectrice. Et là, on apprend, ah ben tiens, il était avec ses copains, ils ont fait un accident, et puis il n'y a que lui qui est mort. Il est mort, oui. Est-ce qu'il priait ? Ah ben en fait, non, il n'a pas voulu écouter le Seigneur et ses parents lui parlaient, il n'a pas voulu écouter et puis c'est fini. Ou une balle perdue, tac, il est parti. Mais il était jeune, ben oui, il est parti. À quel âge il est parti ? 23 ans, d'autres 16 ans, 15 ans, et fini. Et quand tu meurs comme ça, et là, automatiquement, l'esprit qui est à l'intérieur, comme la main qui se trouve dans un gant, et la main sort du gant, le gant c'est le corps physique et la main c'est l'esprit, et là, automatiquement, cet être humain se rend compte qu'il y a un monde spirituel. Et il se rend compte qu'il est un esprit. Et il sort de son corps et il voit son corps physique par terre et des gens qui pleurent. Et il dit, non, non, maman, papa, maman, je veux revenir, je veux revenir. Trop tard. Et il voit des démons. Vous savez, la faucheuse, là, existe. Hein, voilà, avec son espèce de cape, là, tout ça, là. Et il vient et... il prend son âme et ce jeune homme, cette jeune fille pleure. Non, 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 laisse-moi, laisse-moi, Jésus, Yeshua, Yeshua, Jésus, tout ça, ah, aide-moi, aide-moi. Personne, aucune aide, aucune voix, aucun secours. Et là, la terre s'ouvre, l'avale. Et il se retrouve tout de suite en enfer. Arriver en enfer, ça dépend parce qu'en enfer, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez, en fonction des péchés que les gens ont commis, mais déjà là-bas, tout le monde souffre, c'est sûr. Ils souffrent de l'absence de la présence du Seigneur, de son amour. Et là, tu te retrouves soit au premier niveau, soit au deuxième niveau, soit au troisième, soit au quatrième, cinquième, sixième, ou soit au niveau le plus bas, qu'on appelle, que le grec appelle le tartare. Et là, fini. Et là, tu te rends compte que Michael Jackson, président Mobutu, les présidents de ce pays, de ce monde, les rois, tout ça, beaucoup sont là-bas. Les idoles, Tupac, tout ce monde-là. Waouh ! Non, mais je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Il fait chaud. J'ai soif. J'ai faim. Tout ça, fini. Personne. Et là, des démons qui viennent avec des pics bizarres, là, t'enfoncent ça, ils rigolent, tout ça, là, parce que pendant des années, quand tu étais sur Terre, tu as nargué le Seigneur. Tu as vécu dans l'hypocrisie. Tu mentais. Et là, fini. Les gens, ils vont te pleurer, ta famille, tout ça. Ils vont te pleurer, tout ça. Tes frères et soeurs, ils te pleurent, tout ça. Et puis après, quelques mois, quelques années après, tout le monde t'oublie. C'est fini, c'est du passé. Vous vous rendez compte? Mais si cet esprit-là, cet être humain, comme vous, comme aujourd'hui, s'est laissé interpeller par le Seigneur, s'il a réalisé que non, là, je ne peux plus jouer avec ma vie. Que chaque être humain naît seul. Et si, même quand bien même on mourrait tous ensemble, mais chacun aura des comptes à rendre au Seigneur de manière personnelle, individuelle. Ben, si tu comprends ça, là, c'est déjà pas mal. Et là, ben, si cet être humain avait compris sa mission, eh ben là, il servirait le Seigneur, il va servir le Seigneur bien comme il faut encore. Et il va servir le Seigneur bien comme il faut. Et il va combattre le bon combat de la foi.
Et quand l'ennemi vient pour le tenter, il va dire, non, je refuse, je ne veux plus céder, je refuse. Je prends la Bible, je lis ma Bible, cet être humain va prendre la parole du Seigneur, la lire tous les jours, matin, soir, tout le temps. Il va plier ses genoux devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, écoute, tu me connais, j'ai le combat, aide-moi, je ne veux pas faire n'importe quoi, je veux t'obéir parce que ta parole est vraie. Ce livre-là, il est vrai. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et qui se sont réalisées et d'autres qui se réalisent présentement. Par exemple, Ésaïe 66, verset 7. Ésaïe, au 8e siècle, a dit que Israël, en tant que nation, allait naître en un jour, en un jour. Et effectivement, le 14 mai 48, 1948, les Nations Unies ont dit, ils ont décrété que Israël devenait, à cette date-là, une nation à part entière, en une demi-heure. Comme le prophète Ésaïe l'a dit, 800 ans avant Yeshua, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 2800 ans avant cette date, cette prophétie s'est accomplie. Comme cela a été écrit. Et le Seigneur, dans sa parole, dit quoi? Ceux qui meurent dans le péché, dans l'hypocrisie, dans la convoitise, dans la masturbation, s'ils meurent comme ça, ils se retrouvent en enfer. Eh bien, c'est vrai, les gens se retrouvent en enfer aussi, présentement, à cause de leur incrédulité. Alors, jeune ou pas, il y a une vie après la vie. La vraie vie, ce n'est pas celle-ci. Dans l'autre monde, là-bas, les couleurs sont plus vives. Ouais, pas comme ici. Là, c'est un monde artificiel, superficiel. Nous sommes de passage, étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi vous avez connu des gens dans vos familles qui sont morts. Tous, hein, on est tous concernés par la mort. Hein. Tous. Il y en a sur leur grand-père, grand-mère, frère, sœur, père, mère, oncle, cousin, tante, tout ça là. Amis, voisins, tous. Alors honnêtement, suivre des modèles de ce monde ou suivre le Seigneur, c'est vous, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur, pour finir, ne parle pas de la religion. On ne vous dit pas d'être dans une religion. On ne vous dit pas qu'il faut prier en direction de tel pays, de telle ville. Ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça la parole. Non, on vous demande d'avoir une relation avec le Seigneur chez vous. Chez vous. Qui sont ceux et celles qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui? Levez-vous. Venez. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ta cousine. Sa maman, on va l'appeler. Hein? On pourra l'appeler ou pas? Elle est mineure? On va appeler sa maman pour avoir son accord. Pas de problème. Gloire à Yeshua, le El Très-Haut, lui seul. Règne jamais. Louange à El Très-Haut. Waouh, toi aussi. Waouh. Pourquoi tu veux prendre ton baptême? Je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que je veux être avec Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as quel âge, mon grand? Mon grand, 14 ans, pourquoi tu veux prendre ton baptême? Pour servir Jésus. Amen. Maman est là? Non, elle est partie. Elle est partie. Et papa? Papa aussi, il est parti. Ok, on va les appeler. Ils sont d'accord? Oui. Ouais. Gloire au Seigneur. Et toi, tu veux quoi? Ah, c'est toi? Tu veux prendre ton baptême? Gloire au Seigneur. C'est ta fille? Oh, magnifique, Saint-Esprit. Toi aussi? Et pourquoi tu veux prendre ton baptême? Pour être sauvé. Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, waouh. Gloire au Seigneur, c'est magnifique ça. Oh Seigneur, merci. Waouh. Bon. Magnifique Seigneur, béni sois-tu. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh magnifique Saint-Esprit. Waouh, magnifique. Magnifique Seigneur, alléluia. Waouh, oh Seigneur, merci. Oh magnifique. Saint-Esprit, au nom de Yeshua, que la mort s'en aille, que la mort s'en aille, maintenant. Oh, alléluia, magnifique Seigneur, que la mort s'en aille, que la mort s'en aille. Nous chassons les esprits de mort de ce lieu, au nom de Yeshua. Nous chassons la mort. Quelqu'un ici est lié avec des liens de la mort. Quelqu'un ici, sa famille réclame ton âme. Et le Seigneur a permis que tu viennes ici pour que ton âme soit libérée de la mort, que la mort sorte de ta famille, de ta vie, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, merci pour ta fidélité.
au nom de Yeshua. On va les baptiser tout de suite. Pour les mineurs, là, vous appelez les parents. Vous aussi, vous pouvez aller. Amen. Amen. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur. On va vous baptiser tout de suite. Qui veut abandonner le péché? Alléluia, viens. Diane, tu peux prier pour elle, s'il te plaît. Il y a une jeune sœur qui a beaucoup des jeunes, quelques jeunes sœurs, là, c'est le même moment, qui ont beaucoup de douleurs abdominales, surtout par rapport aux règles. Et c'est les douleurs qui ne sont pas normales. Le Seigneur veut vraiment vous libérer de ça. Voilà, vous pouvez avancer comme ça, nous allons prier pour vous. Voilà. Vous vous tordez dans tout le sens à cause de toutes ces douleurs-là. Le Seigneur va vous rendre libre au nom de Yeshua. Tu es baptisé? Oui. Alléluia, gloire au Seigneur. Magnifique, Saint-Esprit. Wow. Anne, tu peux prier un peu avec nous, hein, s'il te plaît? Waouh, Seigneur, merci. Tu étais délivré où ici? Ok. On va prier. Ça recommence. Ça va aller, cette chose va partir définitivement. Seigneur, qu'elle soit libérée. Remonte, elle te vomit. Remonte et ne reviens plus jamais. Voilà, c'est fini. Fini, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux continuer à prier pour elle. Ça va aller, le Seigneur t'aime. Alléluia. Seigneur, merci pour mes soeurs qui sont délivrées. Oh, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, remplisse de ton feu, Seigneur, merci. Oh, délivrance que ça t'accorde encore. Par rapport au mariage, là, c'est réglé. C'est bon. Oh, alléluia. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Yeshua. Allez, remonte. Allez, remonte, tu lâches ta voix. Tu vas lâcher sa voix là, au nom de Yeshua. Tu vas lâcher sa voix. Oh, Seigneur, merci. Sois guéri, sois délivré au nom de Yeshua. Sors de ce ventre-là. Voilà, au nom de Yeshua. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Oh, qu'elle soit guérie, délivrée.